We wachten allemaal op de Messias en ik zou graag zelf een vraag stellen. Wat is antisemitisme? Veuillez à ce que vos portables soient bel et bien éteints, s'il vous plaît. Qui peut me répondre à cette question là? Let erop dat jullie telefoons uit zijn. On va te donner le micro. Tu lèves la main comme ça, on va te voir, s'il te plaît. Voilà. Émilie, qui est ici. Ce sont ceux qui sont contre les sémites, donc enfin les descendants de Sem. Donc on a les musulmans, enfin les arabes. Voilà, les pays arabes plus Israël. Ok. Het zijn zij die tegen het ras van Sem zijn. Dus we hebben de moslims, de Arabische mensen en de. Pas les musulmans, les arabes. De Arabische mensen. Amen. Parce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Want er zijn moslims die niet Arabisch zijn. Parce qu'on a souvent tendance à croire que l'antisémitisme c'est de l'antipathie ou de la haine envers les juifs essentiellement, alors que c'est de l'antipathie ou de la haine envers les descendants de Sem, c'est-à-dire les arabes et les juifs, les hébreux. Want we denken dat antisemitisme meestal haat is tegen de joden, maar het is zowel haat tegen de Arabische mensen en de joden. Donc quelqu'un qui n'aime pas les arabes. Dus iemand die niet van Arabieren houdt. Et antisémite. Is een antisemiet. Oké, okay, une autre question? Een andere vraag. Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est un néerlandais. Je vais demander. Ik ken eigenlijk niet veel over de Bijbel, maar in het boek Genesis staat erop dat God bijna in alle werelddelen behalve Afrika en Europa was. Hoe komt dat? Is er daar een antwoord voor of niet? Donc, elle ne connaît pas bien la Bible, mais elle aurait lu que Dieu, il est seulement dans tous les pays, tous les continents, sauf l'Afrique. Est-ce que c'est vrai ou pas? D'accord. Sauf l'Europe. Sauf l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est complètement... non, c'est faux. Das faute. D'ailleurs, pour ton information. Das ter info. La première fois dans les Écritures où il a été question d'un roi, de eerste keer waar de Bijbel het over een koning heeft. En fait, la première fois que la Bible parle, ou la Bible parle d'un roi, il est question d'un Éthiopien. C'est un Éthiopien qui est le premier roi dans l'histoire de la Bible. Dus het is een Ethiopier die de eerste koning is in het verhaal van de Bijbel. Donc un Africain. Dus een Afrikaan. Malheureusement, son nom signifie rebelle. Jammer genoeg betekent het rebel. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a de la rébellion tout le temps en Afrique, ça? Et c'est daarom dat er in Afrika veel rebellie is. Alléluia. Amen. Donc, et Dieu aime les nations. God houdt van alle landen. Et d'ailleurs, l'évangile aussi est arrivé en Europe. Het evangelie is trouwens ook in Europa aangekomen. N'est-ce pas? Paul est arrivé jusqu'en Espagne. Paulus is tot Spanje geraakt. Il est allé jusqu'en Italie. Tot Italië. Tu savais ça? Wist je dat? Il y a même un livre de Paul dédié aux Romains, l'épître de Paul aux Roms. Er is zelfs een schrift van Paulus die tot de Romeinen is. Tu vois? Naar voilà. De Romeinen is geschreven. Donc, et d'ailleurs, Jésus-Christ a foulé le sol africain. En Jezus is trouwens op Afrikaanse grond. Il s'est réfugié en Afrique. Hij is zich daar verschuild. Il y avait même deux enfants. Deux tribus en Israël qui avaient du sang africain. Er waren zelfs twee stammen in Israël die Afrikaans bloed hadden. C'est la tribu de Manassé et d'Ephraïm. Dat van Manassé en Ephraïm. Il y avait du sang, ils avaient du sang égyptien. C'était les métis. Égyptisch bloed en ze waren half bloed. Donc Dieu pense à tout le monde. Dus God denkt aan iedereen. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un veut lever la main ici? Oui, là-bas, frère. Bonjour. Bonjour. Et en fait, moi j'ai une question pour concernant les prières en langue. Ik heb een vraag over het spreken in tongen.
Bon, j'ai entendu que c'est important pour un chrétien de prier en langue. Et ma question est pour savoir en fait comment il faut atteindre le niveau pour prier en langue ou c'est n'importe qui peut prier en langue. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Ik heb gehoord dat het belangrijk is dat een christen in tongtaal bidt. En ik vraag mij af hoe dat kan en hoe iemand dus in tongtaal kan spreken of bidden. Prier dans une langue inconnue, c'est biblique. Bidden in een onbekende taal is bijbels. Et, mais malheureusement, certains courants chrétiens nous apprennent que dans le Pentecôte, l'église pentecôtiste nous dit que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, et c'est faux. Jammer genoeg zeggen huidige christenen van de Pinksterbeweging dat iemand die niet in tongtaal spreekt of bidt, die niet gedoopt is door de Heilige Geest. Le plus important, c'est pas le parler en langue. Het belangrijkste is niet het spreken in tongtaal. Le plus important, Paul disait, c'est la prophétie. Het belangrijkste is profetie of voorspelling. Parce qu'en prophétisant, on édifie les autres. Want c'est parce qu'en fait, il disait que ça permet d'entrer dans une autre certaine dimension spirituelle. Non. Mensen zeggen dat je een bepaald niveau moet hebben om in tongtaal te bidden. Ja, seul Jésus-Christ nous permet d'être dans la présence du Père, c'est tout. Het is enkel Jezus die ons in Gods aanwezigheid brengt. Est-ce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, ne parlait pas en langue? Want Jezus, toen hij op aarde was, sprak hij niet in tongtaal. Tu savais ça? Voilà. Donc, c'est un don comme un autre. Donc, il ne faut pas te sentir condamné. Het is een gave zoals eender welke. D'accord. Ok, merci. C'est vrai quand on parle en langue, dans une langue inconnue, on s'édifie soi-même. Mais tu peux t'édifier en méditant la parole, en priant, en craignant Dieu, tout simplement. Je brengt kennis bij als je in tongtaal spreekt voor jezelf. Maar je kan ook kennis bijbrengen als je de Bijbel leest. Quelqu'un d'autre? Iemand anders? Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est une question concernant en fait le leadership. C'est la première fois que je viens ici et au lieu d'avoir des préjugés, je voudrais moi-même comprendre. Il est écrit dans la Bible que vous, parce qu'aujourd'hui il y a tellement des hommes de Dieu que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mm-hmm. Et aussi, j'ai suivi certains de vos conférences. Là où vous parlez de la simplicité. Oui, Christ a dit, soyez mes imitateurs. Mais à un moment donné, pendant la délivrance, je vous ai entendu dire que pendant que les autres parlent, ici, on est en train de travailler. Est-ce c'était une façon de vous glorifier ou bien c'était, au fait, pourquoi ça? Qu'est-ce qui marque la différence? C'est quoi votre doctrine? Parce qu'en venant ici, tout le monde m'a combattu, qui n'est pas dans le vrai, tout ça, j'ai dit, j'irai quand même le voir. C'est bien. Et tout ça, parce que prier, je pourrais m'écarter comme Jésus le faisait, prier tout seul, adorer tout seul. Mais je suis quand même venue pour voir, comprendre c'est quoi la doctrine. Et quand vous parlez de la simplicité, cette expression-là, au fait. D'accord. C'est parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, il faut faire très attention à tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. Merci. Qui sont ceux qui vous ont combattu? Mes sœurs jusqu'à hier, tout le monde qui n'est pas dans le vrai, qui combat les dîmes. J'ai des questions, mais au fait, au fur et à mesure, j'aimerais comprendre, parce qu'il y a aussi des versets bibliques qui prouvent que les dîmes, ils ont dit les premiers de vos fruits, dixième premier, je ne sais plus comment ça se passe, mais au fait, c'est quoi votre doctrine? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre appel, au fait? Dus mijn vraag is, er zijn vandaag veel godsmannen en we moeten kijken naar de vruchten die Jezus heeft aangekondigd in zijn woord. Maar u hebt gesproken over simpelheid en ik zou graag weten wat u daarmee bedoelt. Want u zei van, terwijl andere mensen praten, werken wij verder. Is dit een manier van zichzelf ingenomen te voelen, beter dan de anderen. En ik zou graag willen weten wat de doctrine of de leer is van uw preek. Omdat ik door mijn familie word... mijn familie is niet akkoord met u en ik zou daarmee graag weten wat u juist predikt. Je bénis le Seigneur pour ton attitude. Ik dank de Heer voor jouw gedrag.
avant de juger ou de condamner quelqu'un, tu as préféré venir toi-même voir. In de plaats van iemand te veroordelen, bent u zelf gekomen. Et ça, ça me touche. En dat raakt mij. Depuis que tu es là. Sinds je daar bent. Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre ici? Heb je al iets raars gezien hier? Pourquoi? Le mouchoir. De handdoek. Je vois que tu regardes, tu scrutes tout, c'est bien. In detail bekijkt. Tout simplement, quand on se sert de ce quand je me sers de ce Kleenex. Als ik deze zakdoeken gebruik. Ça salit. Dan wordt dat vuil. Une des raisons. Dat is een reden. Une autre raison. Een andere reden is. T'as vu la pression qu'on t'a mise pour venir ici. Hein? On a tout fait pour ne pas venir ici. On a tout fait pour te dissuader d'être là. Je hebt gezien hoeveel druk er op je werd gezet om niet naar hier te komen. Eh bien, figure-toi que j'ai déjà été empoisonné à deux reprises. Dus stel je voor dat ik al twee keer ben vergiftigd geweest. Et qu'on a essayé, on essaie de mettre du poison aussi dans les mouchoirs pour m'atteindre. En dat mensen ook gif in mijn zakdoeken doen om mij te raken. C'est pourquoi j'ai mes mouchoirs. Daarom heb ik mijn eigen zakdoek. Que mon épouse m'a acheté. Dat mijn vrouw mij heeft gekocht. Et j'ai mon micro avec moi. En ik heb mijn eigen micro. C'est bon? Goed. Ok. Comment? Je tolère. De toute façon. Je tolérerai het. Je crois que c'est aussi ma liberté. Ik denk dat ik ook. Regarde ma soeur, tu as dit que dans les Écritures, il est question des prémices. In de geschriften praat men over de eerste. Je dis oui, c'est écrit. Ik zei ja, dat is geschreven. Est-ce que tu sais aussi que c'est écrit que les femmes qui ont leur menstrue ne devaient pas aller dans la présence de Dieu? Maar wist je ook dat er geschreven staat dat vrouwen die hun menstruatieperiode hebben niet in Gods aanwezigheid mogen zijn? Non. Is dit nog geldig? Nee. Est-ce que tu sais que c'est écrit aussi que les étrangers, donc noirs, arabes, n'avaient pas droit de se présenter devant Dieu? Wist je dat ook vreemdelingen zoals zwarten of Arabieren niet voor God mochten staan? Alleen en ze hadden ook geen toegang tot de tempel. C'est écrit, non? Staat erin. Est-ce que tu sais pas? Est-ce que tu sais que c'est écrit aussi que quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat devait être lapidé? Wist je dat iemand die de Sabbat niet observeert verstenigd wordt? Pourquoi on le fait plus? Maar waarom doen we dat? Parce que ça fait partie de la loi. Omdat het deel uitmaakt van de Mozesse wet. Qu'on ne doit plus appliquer. Dat we nu niet meer moeten. Pareil par rapport à la dîme. Hetzelfde met de tienden. Le 10% qu'on vous exige dans les assemblées. De 10% dat ze jullie. 10% de vos salaires, vos revenus. Dus 10% c'est la van loi jullie inkomen. De Moïse. Dat is allemaal de c'est wet pour van cela Moses. Que, à partir de la croix. Dus vanaf het kruis. Jusqu'à Apocalypse 22. Tot Openbaringen 22. Aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un. Heeft geen enkele apostel het tiende deel van iemand genomen. Le savais-tu? Wist u dat? Non. Sais-tu que la dîme était consommée essentiellement par les Lévites? Wist u dat enkel de Lévites het tiende deel consommeerden? Les pauvres, il y avait une dîme pour les pauvres, tout ça, les orphelins, les étrangers. Er waren voor de armen, de Mais elle était essentiellement en de consommée. Vreemdelingen. Elle était toute en nature, hein? Par les Lévites. Maar ze werd ingenomen door de Lévites. Parmi lesquels il y avait les prêtres. Bij wie er priesters waren. Les Lévites. De Lévites. Était une tribu africaine, européenne, arabe ou juive? Waren ze een Afrikaanse, Europese of Arabische stam? Qui dit qu'ils étaient juifs? Wie zegt dat ze Joden waren? Ah bon? Vous ne savez pas ça? Les Lévites étaient Congolais, Arabes, Belges ou Juifs? Waren de Lévites Congolezen, okay. Arabieren of Joden? Alors pourquoi vos pasteurs prennent vos dîmes alors qu'ils ne sont pas juifs? Waarom nemen jullie pastors dan het tiende deel als ze, niet als ze geen Joden zijn? Les Loubas. De Loubas. Les Bamileke. De Bamileke. Bon, on est en Belgique. Les Flamands, ils sont juifs ou belges? Zijn Vlamingen Joden okay. Of Belgisch? Donc si vous avez un pasteur flamand qui prend la dîme de quelqu'un, il faut lui dire, mais tu n'es pas juif, pourquoi prends-tu cette dîme?
Als jullie een Vlaamse paspoort hebben die het tiende deel neemt van jullie, moet je hem zeggen dat hij een Jood is, dus hij is een dief. Mon combat avec la plupart des chrétiens ou des pasteurs, c'est premièrement, c'est parce que je dénonce la pratique de la dîme. Mijn strijd met christenen en pastors is eerst en vooral omdat ik het tiende deel aan de kaak stel. Voyez le nombre que nous sommes ici? Zie je hoeveel, met hoeveel we hier zijn? Imagine si j'étais le pasteur ici. Stel je voor dat ik hier de pastor was. Et que chacune de personnes me donne ne serait-ce que 50 euros. En dat iedereen mij minstens 50 euro. Tu te rends compte tout ce que je vais amasser? Stel je dan, weet je dan hoeveel ik et dan... C'est ce que font des pasteurs. En dat doen de pastors. Voilà pourquoi ils roulent en gros 4x4 pour la plupart. Daarom reden ze dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Gaan ze naar vous dormez met 4 sterren, 5 sterren. En jullie slapen in stallen. Tu vois, non? Donc, ce sont des escrocs. Dis à ton voisin, escrocs. Bedrieger. Dis-lui encore, voleur. Dief. Voilà mon problème avec eux. Dat is mijn probleem met hun. Tu commences à comprendre, hein? Begrijp je niet? Donc, du coup, leurs entreprises font faillite. Dus hun zaken gaan faillite. Parce que les brebis que vous êtes, que nous sommes, ne sont plus tondables. Omdat de schapen die wij zijn niet meer te scheren zijn. C'est bon? C'est quoi en néerlandais là? Tondable, c'est quoi? Scheren. Scheerbaar. Ok. Voilà. Voilà mon problème. Et ensuite, on attaque non seulement la dîme, mais on va attaquer aussi les offrandes d'action de grâce. En dan gaan we ook de offeranden van dankzeggingen. C'est-à-dire, ils vous disent que si vous avez votre diplôme, vous devez amener une enveloppe auprès du pasteur parce que c'est grâce à lui que vous avez eu votre examen. Bijvoorbeeld, u hebt uw diploma en u moet naar de pasteur gaan met een enveloppe omdat u zo gezegd door hem ben geslaagd. Dis-lui ça, c'est du vol. Dat is diefstal. Qui nous bénit, les pasteurs ou Dieu? Wie zegent ons, God of pasteurs? Voilà. Autre chose encore. Iets anders. Ils vendent leur Bible, leur livre. Ze verkopen hun boeken en Bijbels. Leur CD. Hun CD's. Leur concert. Hun concerten. Et nous, Dieu nous dit, il faut appliquer la Bible. Vous avez reçu gratuitement donné. Terwijl voilà de Bijbel zegt dat we gratis moeten geven, omdat we gratis hebben gekregen. Autre chose encore. Iets anders nog. Certains vont coucher avec des femmes comme toi. Sommigen gaan naar bed met andere vrouwen, zoals. Et moi je dis même à ceux qui travaillent avec moi, si vous le faites, je veux vous dénoncer et je le fais. Et ça ne plaît pas. En ik zeg tegen zij die met mij zijn, als jullie dit doen, dan stel ik jullie aan de kaak. Voyez, cette Bible, c'est la troisième version de la Bible que nous avons révisée. Dit is c'est la dernière version. Versie, de laatste versie van de Bijbel. Elle est die we hebben dorée versieven. Avec des onglets. Het is met goud bewerkt. Page jaune. Hele bladzijde. Couverture en cuir. De omgeving is in van. Et qu'est-ce qu'on a mis en bas là, tout en bas? En op het einde staat. Interdite à la vente. Verboden tot verkoop. Comme Jésus a dit. Zoals Jezus het zei. Et c'est ce que nous avons fait. En zoals we het hebben gedaan. Si on devait la vendre, als we dit mochten verkopen, celle-ci, on la vendrait près de 150 euros. Dan zouden we het minimum 150 euro betalen. En gros, avec la première et la deuxième version, dus het eerste en de tweede versie, j'aurais pu empocher personnellement près de 2 700 000 euros. Zou ik zelf 2 miljoen 700.000 euro hebben. Je dis non, je ne veux pas voler les enfants de Dieu. En ik zei nee, ik ga de kinderen van God niet bestelen. Ça casse leur marché. Het verknalt hun, tu vois, non? Het verkoop. Tu aimes la vérité? Hou je van de waarheid? Tu aimes Jésus? Hou je van Jezus? C'est pour ça que tu es là. Daarom ben je hier. Te l'offre. En ik geef het. Amène-moi un exemplaire dans ma sacoche là-bas. Voilà, on veut dissuader des gens comme toi qui cherchent le Seigneur à écouter ce que nous partageons. Quand on dit que les autres parlent, nous travaillons, ce n'est pas de l'orgueil. Dus als wij zeggen dat wanneer de anderen praten, wij werken, is dat geen probleem.
On me traite de sorcier, magicien, gourou, faux prophète, tout ce que tu veux. Ze schelden mij uit van heks, valse profeet. Je leur dis, mais vous parlez. Ik zeg, jullie praten. Et Dieu nous permet de travailler. Maar God laat toe dat wij werken. C'est la première fois qu'un Africain, un Français d'origine africaine, francophone, ait pu faire ce travail-là. Het is de eerste keer dat een Afrikaanse man van Frankrijk dit werk doet. Avec bien sûr des Européens, des Arabes avec qui on a travaillé, des frères et sœurs, des nations. Met il y a beaucoup de jalousie, c'est de la jalousie tout simplement. Het is gewoon weg jaloezie. Hein? No problem. Problem. No problem. You're welcome. Et voilà, c'est. Vous avez vu le nom qu'il y a ici là? Il pleut, il est midi 10. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, des métis, des angolais, des belges, des français, de tout, Cameroun, de tout. Jullie zien met hoeveel we hier zijn van verschillende landen en dat is niet. Parce que beaucoup veulent rester entre Congolais. Want andere, meesten willen onder Congolezen blijven. Ils se croient toujours au Congo, d'autres se croient toujours en Tunisie, d'autres se croient toujours au Maroc, d'autres se croient toujours au Bled. Donc du coup, ça ne plaît pas. Dus ze aanvaarden dit niet. Et pour beaucoup de gens, quand quelqu'un avance avec le Seigneur, c'est la sorcellerie. En als iemand verder gaat met de Heer, dan is het hekserij voor velen. Amen. Voilà le problème que nous rencontrons, mais en fait, ils ont affaire à un fou. Moi, je me définis comme un fou. C'est-à-dire, plus ils parlent, plus je crie. Dus hoe meer ze spreken, hoe meer ik ook zal roepen. Et c'est pour cela qu'ils tremblent ici en Belgique, parce que leurs boutiques commencent à fermer. Daarom bibberen ze, want hun boutiques sluiten. Ils ont tout fait pour m'empêcher de venir en Belgique. Ils ont fait une réunion de pasteurs, ils ont dit... Ce monsieur, on va porter plainte contre lui pour ne plus qu'il rentre en Belgique. Mais ils ont oublié que je suis européen. Ze hebben alles gedaan zodat ik niet naar hier kom. Ze hebben zelf gezegd dat ze een klacht. Et parmi eux là, ils n'ont même pas la nationalité européenne. Ils veulent interdire à un Européen l'accès dans un pays, hein, à un pays européen. C'est le monde à l'envers. C'est la confusion. De meeste ze hebben de Europese nationaliteit niet en willen een Europeaan verhinderen om naar hier te komen. Alléluia. Bon, on les aime. We houden van ze.